Voilà, bonjour Mère Adixette. Donc je m'excuse pour le petit couac du live. Allez, on est ensemble aujourd'hui en ce mercredi 21 avril pour discuter de la fréquence cardiaque. On va parler de la fréquence cardiaque au repos, la fréquence cardiaque pendant l'effort et également voulez vous apporter des pistes de réflexion par rapport à un travail pour améliorer son cardio training. Je précise également que je ne suis pas forcément hyper expert par rapport à au travail cardiovasculaire, d'accord? Il y a probablement des personnes qui regarderont cette vidéo et je l'espère qui sont beaucoup plus experts que moi. Donc n'hésitez pas en commentaire bien sûr avec bienveillance, douceur et générosité. Ça sert à rien de m'insulter, de dire tu connais rien, t'es qu'un con. C'est vrai que derrière l'écran c'est assez facile de jouer les Rambo, etc. Donc si ce que je dis peut être faux, d'accord, c'est mon expérience qui va beaucoup parler dans ce que je vais vous présenter là maintenant, d'accord. Si ce que je dis est faux, n'hésitez pas à me le dire. D'ailleurs, que ce soit en live ou en replay, je vous invite vraiment à me faire un petit coucou, d'accord. Ça coûte rien, mettre un petit pouce, un petit commentaire, un petit truc pour me dire que vous êtes là. Posez vos questions en live en précisant bien le sujet par rapport à la question. Ne mettez pas « je suis pas d'accord avec toi » ou « je suis d'accord avec toi ». Précisez bien, de cette manière-là, ben moi, quand je lis les commentaires, eh ben, je peux plus facilement vous répondre et vous donner ma propre opinion et vous aider. Hello Audrey ! Donc, vous pouvez bien sûr regarder cette vidéo en live depuis le club privé, Radix Club Privé, sur Facebook, qui est un groupe d'entraide, de soutien et de motivation 100% gratuit dédié aux femmes. Ou vous pouvez très bien regarder en replay sur ce même groupe, mais aussi, quelques semaines, une semaine plus tard, en replay sur YouTube. Si vous regardez depuis YouTube, regardez dans la description, juste en dessous, il y a un lien pour vous faire démarrer un challenge de 7 jours où tous les jours vous recevez 3 petites actions super simples à mettre en place. C'est pas que du sport, il y a aussi de l'alimentaire, il y a aussi des bonnes actions vie quotidienne, vie professionnelle. Et ça vous permet de réorganiser et de mieux vous sentir également dans votre corps. Donc n'hésitez pas à démarrer ce challenge. Et vous avez aussi en dessous le lien vers le Radix Club privé. Groupe 100% gratuit. 3 petites questions à répondre. Ça coûte rien. D'accord? Je fais votre adhésion et vous êtes avec nous dans la team Radix et vous devenez officiellement une Radixette. Si vous regardez cette vidéo en live ou en replay depuis le Radix Club privé, je vous invite bien sûr, si ce n'est pas fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo, notamment ceux de la session 3 exos. Alors, nickel. Donc, je pense qu'il y a un maximum de monde. Les questions, je les développerai et je les traiterai à la fin de la vidéo. Donc là, on va démarrer donc notre petit sujet. D'accord? Donc, on attaque. Fréquence cardiaque, de repos, à l'effort, comment améliorer son cardio? Alors, petite introduction. Notre cœur réalise en moyenne, ouvrez bien les oreilles, c'est impressionnant, 100 000 battements cardiaques par jour. D'accord? 100 000 battements cardiaques par jour, chacun d'entre nous. Ça fait du chiffre. En France, il y a chaque année 120 000 infarctus du myocarde, donc du cœur, du muscle cardiaque, myocarde, et 130 000 accidents vasculaires cérébraux par an. Donc c'est quand même balèze, d'accord? Le cœur, c'est un muscle, donc il est entraînable. J'espère que jusque-là, vous êtes d'accord avec moi. Donc parlons un petit peu, recoucou ma Pauline, parlons un petit peu de la fréquence cardiaque. Question, qu'est-ce que la fréquence cardiaque? Alors la fréquence cardiaque, c'est le nombre de battements de notre cœur en 60 secondes, en une minute. Donc il est possible d'obtenir cette fréquence cardiaque en prenant son pouls au niveau du poignet, il y a pas mal de montres qui font ça, au niveau du cou, de la carotide, ici, on est encore plus précis, ou encore chez le médecin, par exemple, avec un stéthoscope ou même avec, vous savez, ces ceintures cardio ici. Il y a une sangle ici qui renvoie soit sur un téléphone portable, soit sur une machine cardio. Quand vous faites du vélo elliptique, ça peut être connecté directement, soit sur un poignet. D'ailleurs, il y a même encore un autre endroit que j'y pense, d'accord? C'est quand on met les mains sur les capteurs, sur des vélos d'appartement, des vélos elliptiques, des choses comme ça, eh bien, on a aussi notre fréquence cardiaque qui correspond. Alors, en fonction de la zone où c'est pris, évidemment, c'est un peu moins précis. Poignet, les mains, c'est un peu moins précis que carotide ou que directement ici, au stéthoscope ou avec la ceinture quand vous courez. D'accord? Donc, il y a des nouvelles montres qui prennent la fréquence cardiaque au niveau du poignet. D'accord? Mais si vous avez plutôt la bande plus ici, c'est toujours mieux. D'accord? Ça sera plus précis.
Donc on peut calculer aussi sa fréquence cardiaque sur 10 secondes, tout simplement en multipliant par 6, c'est un peu moins précis encore une fois, ou sur 20 secondes en multipliant par 3. Est-ce que jusque là, je suis clair? N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. D'ailleurs, je l'ai dit, hein, n'hésitez pas aussi sur YouTube à mettre des commentaires, à mettre des pouces, à mettre des likes, même à mettre des dislikes, d'accord? C'est mieux référencé, même Facebook, YouTube, pardon, me mettra peut-être un petit peu plus en avant, voilà. Alors, qu'est-ce que la fréquence cardiaque de repos? D'accord? La fréquence cardiaque de repos. Alors, c'est la valeur de fréquence cardiaque la plus basse que nous obtenons lorsque nous sommes à l'intensité d'effort la plus basse, en général, lorsque nous dormons. Alors, c'est difficile de prendre sa fréquence cardiaque quand on dort, à moins d'avoir quelque chose qui nous enregistre le cœur toute la nuit. Donc, eh bien, on la mesure souvent le matin, avant de se lever. Donc, ça veut dire que si un jour vous voulez trouver votre fréquence cardiaque de repos très précisément, bah, préparez tout le bazar à côté du lit, quoi. Hein, faut pas se lever. Donc, dans la position allongée, au calme et à température agréable, c'est-à-dire ni trop chaud et ni trop froid. Un individu, une personne en bonne santé a une fréquence cardiaque de repos entre 60 et 80 battements par minute. On appelle BPM, battements par minute. D'accord ? Cette valeur, elle peut augmenter en fonction de l'environnement. Donc, s'il fait chaud, elle monte. S'il fait froid, elle monte. D'accord ? Moi, par exemple, tous les soirs, je prends des douches froides pour booster mes défenses immunitaires. Augmenter un petit peu mon taux de testostérone, également faire descendre la température de mon corps avant d'aller au lit. Oui, prendre une douche froide, ça ne va pas vous réveiller, au contraire, ça va faire descendre la température de votre corps, et du coup, bah, le cœur, il augmente. Donc moi, j'apprends à gérer aussi mon stress par cette douche froide en posant la respiration pendant la douche froide pour faire redescendre aussi cette fréquence cardiaque. On va avoir des variations plutôt vers le haut positif de la fréquence cardiaque avec le poids, le surpoids et l'obésité notamment. Par rapport à notre état de santé, si on ne prend pas soin de sa forme, si on ne pratique pas une activité physique régulière, eh bien voilà, au niveau de notre santé, enfin, notre santé aussi, même quand on est malade, tout ça, peut y avoir des augmentations. Le stress, aïe, 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 le stress, il peut augmenter notre fréquence cardiaque, donc finalement il fatigue notre cœur, donc le stress, bah, il nous tue aussi à petit feu. De notre âge aussi. Alors, j'ai appris un petit peu des choses un peu différentes. Alors, j'ai vu d'un côté qu'il y avait certaines personnes qui avaient la fréquence cardiaque qui pouvait un petit peu augmenter en vieillissant, d'autres qui ont le cœur qui ralentit. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai trouvé un peu les deux informations. Si vous regardez cette vidéo et que ben, vous avez quelque chose de plus précis que moi à trouver, moi, c'est vrai que j'ai cherché et je trouve les deux. Augmentation, diminution avec l'âge. Écoutez, why not? Why not? Au niveau de la forme physique, donc on l'a dit tout à l'heure, une personne plus en forme va avoir un rythme cardiaque moins élevé qu'une personne pas du tout en forme. Et de notre état aussi, de notre état de récupération, quand on est fatigué, la fréquence cardiaque elle est plus haute. Et de la consommation d'excitants comme la caféine ou la taurine, notamment. La fréquence cardiaque de repos, elle peut aussi diminuer avec la pratique régulière d'une activité physique, notamment d'endurance. Donc on en parlera un petit peu après. Chez les sportifs, la fréquence cardiaque de repos peut être comprise entre 40 et 60 battements par minute, voire même moins. D'accord ? Prenons par exemple, donc moi je sais que par un moment, j'étais à 47, je crois que j'avais moi. D'accord ? Et donc dites-moi si je me trompe, j'ai pas réussi à retrouver cette information, mais il me semble qu'une fois en regardant le Tour de France, j'avais entendu que Lance Armstrong avait une fréquence cardiaque de 27 pulses par minute. Donc je sais pas si c'était ça, confirmez-moi en live, en replay, si vous regardez cette vidéo, j'ai pas retrouvé, mais j'avais entendu ça par les speakers du Tour de France, donc incroyable. Ce qu'on appelle, ça s'appelle en fait quand on a une diminution de la fréquence cardiaque grâce à l'effort d'environ 15 pulses, ça s'appelle une bradycardie. Donc on mesure de manière régulière sa fréquence cardiaque de repos, donc si la mesure est prise dans les mêmes conditions, donc la mesurer sa fréquence cardiaque de repos, bah, ça permet d'avoir une première compréhension de son état de forme, comme j'ai dit tout à l'heure. Si la fréquence cardiaque augmente, c'est peut-être le signe qu'on est fatigué, ou que la récupération suite à une séance
la veille ou l'avant-veille n'est pas complète. D'accord? Si on est fatigué, si on a le corps qui est en pleine récupération, évidemment, le cœur va envoyer plus de nutriments, plus d'oxygène aux muscles pour qu'ils se régénèrent. D'accord? Pareil, si on s'est brûlé, d'accord? Une brûlure, comme le corps doit réparer ça, la fréquence cardiaque va monter plus. D'accord? Donc, c'est logique, hein. Si elle diminue quand on prend régulièrement la fréquence cardiaque, c'est le signe soit d'une amélioration de son état de forme. Attention à prendre avec des pincettes, parce que si elle est couplée avec une sensation générale de fatigue, un manque de motivation, ça peut être également le signe d'un surentraînement. Donc, fréquence cardiaque qui diminue, c'est peut-être « ouais, je m'améliore », c'est peut-être « pas cool », si en plus de ça, je suis fatigué et démotivé, c'est le signe qu'on est en surentraînement. Voilà. Et il y a aussi donc une diminution de la fréquence cardiaque qui peut être artificielle par rapport à l'utilisation de traitements médicamenteux comme des bêta-bloquants qui vont ralentir artificiellement la fréquence cardiaque. D'accord ? S'il y a des questions, n'hésitez pas à envoyer du lourd. Si tout ce que j'ai dit vous semble clair, les pouces en avant ! Et tic-tac, danser aussi, ça fait monter la fréquence cardiaque. Et tic-tac. Qu'est-ce que la fréquence cardiaque maximale pendant un effort? La fréquence cardiaque maximale, c'est la fréquence la plus élevée que nous enregistrons à l'effort sur une minute. Elle ne peut être atteinte que si l'on passe un test d'effort maximal. D'accord? Merci pour les pouces. Donc, ça veut dire qu'on peut atteindre sa fréquence cardiaque maximale que si on passe un test d'effort donc à l'hôpital ou des choses comme ça. D'accord? Pour les sportifs de haut niveau. Ok? Pour un débutant, elle peut être atteinte quand ils se remettent au sport. D'accord? C'est-à-dire que comme le cœur est en ce qu'on appelle désadaptation physique, le cœur, vous allez démarrer un truc, si vous ne faites jamais de sport, il va faire boum 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 boum. Il ne sait pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient de m'agresser? Est-ce qu'il faut que je fuis? Est-ce qu'on a besoin de ressources tout de suite? Il ne sait pas. D'accord? Donc, très vite, les personnes qui débutent, ils vont avoir le cœur qui va taper au taquet. D'accord? Donc c'est pour ça que quand vous reprenez un effort, une activité physique régulière, ben vous devez déjà vous remettre en forme de manière progressive. Commencer peut-être en alternant la course, la marche, puis progressivement réduire les temps de marche pour que ça ne devienne que de la course. D'accord? Voilà un petit peu les conseils que je peux déjà donner aux débutants. Il y a aussi un moyen, cette fréquence cardiaque max, de la calculer grâce à la méthode ASTRAND, A-S-T-R-A-N-D. Salut ma Gisèle, la voilà, salut Ingrid. Donc il consiste en une formule super simple, la formule suivante. Donc pour les femmes, toujours avantagée celle-là, 226 moins l'âge, moins votre âge. D'accord? Donc prenons l'exemple avec une femme de 40 ans, 226 moins 40, 186 plus, ce serait son max théorique. D'accord? Donc on comprend bien que plus on vieillit, plus notre fréquence cardiaque max diminue elle aussi. Pour un homme, c'est 220. 226 les femmes, 220 l'homme. Donc 40 ans, nous avons déjà 6 plus de moins. 180. Qu'est-ce que la fréquence cardiaque de réserve? Alors, je suis en train de me faire piquer par des bêtes. Je sais pas, enfin, je me suis fait bouffer aux moustiques lundi pendant le cours et puis hier après-midi. Qu'est-ce que la fréquence cardiaque de réserve? C'est tout simplement la fréquence cardiaque max moins la fréquence cardiaque de repos, ce qui nous donne la fréquence cardiaque de réserve. Ok, est-ce que c'est clair pour tout le monde? J'aimerais bien là voir parmi les personnes qui regardent cette vidéo, live, replay, déjà savoir si vous êtes encore vivant. Are you alive? Ou est-ce que bon, vous avez fait un arrêt cardiaque en entendant toutes les informations que je viens vous donner? Non, ça a l'air d'être bon. Est-ce qu'il y en a qui font régulièrement du cardio training, la course à pied ou autre chose, et qui utilisent vraiment leur fréquence cardiaque pour avoir des idées un petit peu des bénéfices de leur entraînement, pour avoir une vision sur l'entraînement. Moi, je sais que par exemple, dans le Radix Club Premium, le groupe où je donne des cours toute la semaine, quand par exemple, on fait le Radix Bike, j'aime bien voir un retour, notamment de ma Sylvaille qui m'envoie son retour de fréquence cardiaque. Comme ça, ça me permet de voir si l'entraînement que j'ai proposé, il est logique, il est ludique et si il y a des montées cardiaques vraiment au moment où moi, j'avais prévu de vous faire monter un peu plus dans les tours. Ok? Donc, on a des recommandations pour préserver son cœur. On en a quelques-unes, 7 exactement, de la Fédération Française de Cardiologie. Alors là, ce que vous regardez, j'invente pas l'eau chaude.
C'est des choses que j'ai vues sur YouTube, que j'ai lues également. Donc voilà, j'invente rien. Hein. Ne cherchez pas à me mettre t'inventes rien, tu fais que répéter, t'es un perroquet. De toute façon, on n'invente rien. Hein, d'accord, quand on a des personnes qui sortent soi-disant une nouvelle machine chez des marques de musculation, ils n'inventent rien. Hein, tout a déjà été mis en place. Hein, d'accord. Donc on n'invente rien. Cette recommandation par la Fédération Française de Cardiologie. Pratiquer une activité physique régulière, c'est numéro 1. Qui fait de l'activité physique régulièrement ici dans cette vidéo au moins 2 à 3 fois par semaine? Mettez-moi des pouces, mettez-moi des likes, mettez-moi un commentaire. Activité physique régulière. Il faut bien comprendre, bien sûr, le sport, mais aussi le style de vie. D'accord? C'est pas que le sport, c'est aussi avoir un style de vie, actif. D'accord? Donc, prendre moins souvent l'ascenseur, ou pourquoi pas, si vous montez au 15e étage, vous arrêtez au 12e, en montez 3 à pied. Pourquoi pas? Quand vous allez au boulot, eh bien, surtout qu'on est pas mal de râleurs, je ne sais pas s'il y a des personnes qui habitent dans des grandes villes ici, où tout est payant pour le stationnement, bah, garez-vous où c'est pas payant, faites quelques kilomètres en marchant ou avec une trottinette dans le coffre, puis comme ça, bah, vous ne payez pas votre stationnement, vous entretenez votre cœur, et puis bah, ça vous donne envie de bouger et ça entretient aussi votre smile. Vous pouvez faire un screenshot là si vous voulez. Smile. Yeah! Donc voilà des choses un petit peu pour lutter contre la sédentarité. Ça permet de mettre ces petites choses là en place, une activité physique régulière, salut Nadja, ou un style de vie actif, ça permet de réduire de 30% les risques d'infarctus du myocarde et d'accident vasculaire cérébral. Donc par rapport aux 100 000 ou 120 000 ou 130 000 que je vous ai dit tout à l'heure, vous retirez 30% si tout le monde se bougeait un petit peu le popotin. C'est quand même pas mal, d'accord? Alors, autre truc aussi, la petite aparté par rapport à ça. Pour des personnes qui ont un style de vie déjà très actif, qui font du vélo régulièrement, de la marche régulièrement, qui sortent leurs chiens sur de longues balades toute la journée, qui montent les escaliers, qui prennent assez peu la bagnole, etc. Il y a des fois, je l'ai vu beaucoup moi dans les salles de remise en forme, il y a des fois des personnes qui se disent « Bah, écoute, je vais reprendre le sport », qui reprennent le sport et qui prennent du poids. Merde, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Pourquoi? Bah, parce qu'avant, elles avaient un style de vie très actif, elles vont faire du sport régulièrement, 3-4 fois par semaine, et du coup, eh bien, elles vont arrêter de marcher, elles vont reprendre la voiture, elles vont arrêter de prendre l'ascenseur. Bah ouais, quand tu as travaillé tes jambes, tu n'as pas envie de prendre l'ascenseur, hein, tu n'as pas envie de prendre les escaliers, tu as envie de prendre l'ascenseur. Elles vont moins sortir leurs chiens, voilà. Donc elles vont être moins actives. Et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est qu'elles vont reprendre du poids parce qu'elles sont moins actives et du coup, bah, elles entretiennent moins leur santé, bien évidemment. Voilà. Alors, la reprise, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, la reprise d'une activité physique doit se après une longue période de sédentarité, doit se faire progressivement. Et moi, je conseille bien sûr de passer un test chez son médecin. Enfin, demandez à votre médecin de passer, pourquoi pas, un test, un électrocardiogramme. À l'hôpital, ça peut être une bonne idée. Good idée. Si on est sous traitement médicamenteux, ça c'est une autre recommandation pour les personnes qui, bon, on n'imagine pas, hein, parce que nous peut-être que voilà, on regarde la vidéo, mais voilà, par exemple Gisèle qui est dans le monde de l'aide à la personne, il y a énormément de monde qui prennent des traitements médicamenteux et qui ont un impact bien sûr sur l'hypertension, sur la fréquence cardiaque, etc. Donc quand vous prenez des produits comme ça, des cachets, eh bien, se renseigner auprès de son médecin, savoir s'il faut, pourquoi pas, l'adapter en période de forte chaleur ou pas. D'accord? On a dit tout à l'heure que la fréquence cardiaque a tendance à augmenter quand il fait chaud. Si vous prenez des bêta-bloquants qui empêchent votre cœur de monter dans les tours, ça peut poser problème. Hein, c'est de la logique. C'est de la logique, tout simplement. Troisième recommandation, apprendre les gestes qui sauvent. D'accord? Et ça, c'est vrai que je veux le refaire. Moi, pour passer mon diplôme il y a 12 ans, j'ai dû avoir mon brevet de secouriste, mon PSC1, ça s'appelle, d'accord, avec les gestes qui sauvent. Mais on devrait tous les connaître, on devrait tous se renseigner auprès de la Couronne Rouge pour passer ces tests. Est-ce qu'il y en a qui ont le PSC1, c'était comment là, je ne sais plus comment ça s'appelait, avant le PSC1, ça s'appelait, je ne sais plus. J'ai envie de dire AFPS, mais je ne suis pas sûr que ce soit ça. Est-ce qu'il y en a qui ont ce diplôme là? Dites-moi,
Quatrième recommandation de la Fédération française de cardiologie, avoir une alimentation moins salée, ça augmente la tension artérielle, moins riche en acides gras saturés trans. Donc ça, on en trouve dans toutes les merdes qu'on nous propose dans les rayons, dans la majorité des rayons des supermarchés, dans les viandes rouges grasses, d'accord ? Pauline qui a le PSC1, j'ai vu que tu avais remarqué un autre truc, donc j'irai regarder un petit peu. Ah, on a Jitka qui a rentré là, qui nous regarde de Pologne, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais pas si tu comprends tout ce que je dis, mais en tout cas, good morning Jitka, et have a good day if you quiet the live in a few moments. Voilà, on fait un peu l'américain, bon, léger. Et donc la viande grasse, d'accord, acide gras saturé, moins de sucre blanc, qui est la grosse drogue et qui nous tue également à petit feu, d'accord ? Et moins d'alcool aussi, les enfants. Quand on prend un bon whisky, on sent, hein ? Ça tape bien ici, ok ? Cinquième recommandation, bien manger. Donc, fruits, légumes, poissons. On n'oublie pas ça de son alimentation. Fruits, légumes, poissons. Vous répétez avec moi ? Fruits, légumes, poissons en commentaire ! Fruits, légumes, poissons en commentaire ! Fruits, légumes, poissons ! Et on rééquilibre son alimentation, d'accord ? Globalement, moins de glucides, notamment un index glycémique élevé, les pâtes blanches, le sucre, etc. Plus de bons lipides, oméga 3, les poissons gras, maquereau, sardine, saumon. Et l'huile, les bonnes huiles, l'huile de noix, l'huile de noisette, l'huile de lin, l'huile d'olive, etc. Des bonnes huiles, protéines pour l'aspect rassasiant, des bons légumes et donc diminution donc des mauvais sucres. On rééquilibre l'alimentation. Sixième recommandation, on arrête la cigarette. Gigi, on est tous derrière toi. On arrête la clope. On arrête la clope, yes! Pouce en l'air pour tous ceux qui ont arrêté la clope, bien évidemment. Et alors ça m'embête beaucoup. Bon après, voilà, par rapport à mon métier de coach, j'ai dû arrêter ma pratique de sport extrême. Oui, j'ai fait beaucoup de sport extrême, du BMX Race. Vous avez vu au JO, les 8 mecs qui partent ensemble sur la piste à 8, 400 mètres, 500 mètres à donf. Et j'ai fait aussi un peu de BMX freestyle. Alors évidemment, ça, je peux vous dire que quand vous êtes sur la grille de départ, ok, rider, random start. Riders ready, what's the gate? Voilà, je peux vous dire que le cardio, c'est... Alors souvent, en plus, voilà, hein, on est dans les pré-grilles depuis un quart d'heure, 20 minutes. Le cœur, il est redescendu assez bas. On monte presque sans échauffement. On part, d'accord ? Donc voilà. Après, encore une fois, évitez les sports extrêmes. Moi, en venant, je vais pas vous dire oui, mais on va dire plutôt éviter les sports extrêmes mal faits. C'est-à-dire que si vous faites un sport extrême, voilà, combien de jeunes... Bon, après, je pense que maintenant, les sports extrêmes des jeunes, c'est plus la PlayStation et les ordinateurs ou le téléphone. Mais voilà, s'il y a encore des jeunes qui me regardent, qui font du BMX, du VTT de descente, du motocross, du jet-ski, même de l'escalade ou des choses comme ça, ben quand vous arrivez sur votre spot, nous c'était le cas, voilà, on arrivait sur le spot, on avait descendu le vélo, on était tellement surexcité, on avait mis les protèques, le casque, encore on mettait des protèques, et on y allait direct, voilà, faire un échauffement musculaire, articulaire, souplesse, mobilité, et faire monter le cardio, d'accord, c'est le minimum, d'accord. Je me rappelle de tes figures dans la rue quand tu étais petit, bah ouais, exactement, hein, donc on faisait... On faisait des conneries comme ça. Bon, j'aimerais énormément reprendre, d'accord. Quand on est allé en vacances à Annecy avec ma femme l'année dernière, quand on était encore libre, Covid-19, Conerinavirus, mais on avait fait du pump track, d'accord. Et donc, j'ai très envie d'en faire, de lui apprendre ça. Et mais bon, si je me casse la gueule, vous avez plus de coach. Bon, vous, ça vous posera moins de problèmes que moi, d'accord ? Voilà, donc ça, c'est les premières recommandations. Pour les recommandations supplémentaires que j'ai trouvées d'experts en cardiologie et puis que j'ai aussi, moi, rajouté de moi-même. Donc, prendre soin de ses dents, apparemment, donc, il y a une bactérie qui s'appelle l'endocardite infectieuse qui se fixe sur les dents.
d'accord, et qui peut passer par la circulation sanguine, se fixer sur les valves cardiaques. Donc c'est pas cool, d'accord. Donc brossez-vous les dents régulièrement en faisant l'étirement du psoas en même temps, hein, d'accord. Je leur montre ici un peu de la place. Un genou au sol, un pied devant, et en même temps on se brosse les dents, d'accord. Ça permet de faire double bénéfice parce qu'on va en parler d'apprendre à gérer son stress après, voilà. Donc consultez régulièrement notre dentiste. Il y a un autre truc, une autre bactérie aussi. C'est-à-dire que quand vous avez mal à la gorge, quand vous avez une angine, votre médecin va vérifier si c'est bactérien ou si c'est une infection bactérienne ou pas. D'accord ? 95% des cas, ce n'est pas bactérien, donc il n'y a pas d'antibiotique. Ok ? Mais ça peut être un streptocoque. D'accord ? Et puis, bah, qui peut aussi avoir... vous abîmer au niveau du cœur, d'accord. Donc il faut consulter un médecin quand on a mal à la gorge obligatoirement. Et enfin, apprendre à gérer son stress, comme je vous l'ai dit tout de suite, donc en pratiquant la respiration. On ne sait plus respirer aujourd'hui, on respire comme ça. Donc respirer comme la respiration d'accouchement, on fait monter le cœur, d'accord. La cohérence cardiaque, donc c'est-à-dire se poser et se poser sur la respiration, c'est un peu la même chose que ce que je viens de vous dire, d'accord. En pratiquant, pourquoi pas, les étirements, se recentrer sur soi, d'accord. Parce que bah, le stress, il peut, écoutez bien, multiplier par 3 votre fréquence cardiaque de repos. Donc ça veut dire que si vous avez une fréquence cardiaque de 60, vous pouvez, à cause du stress, c'est-à-dire que vous ne démarrez même pas une activité, vous ne vous mettez pas à courir ou quoi que ce soit, bah, votre cœur, il peut monter à 180 juste à cause d'une situation stressante. Donc ça veut dire... ça veut dire qu'on n'a pas de préparation, hein. D'accord ? Sous le stress, voilà pourquoi certaines personnes peuvent faire un arrêt cardiaque en voyant une araignée ou un truc comme ça. Des personnes qui n'ont pas d'activité physique régulière, donc le cœur n'est pas habitué à monter dans les tours. En plus, bien évidemment, souvent une situation de stress, vous êtes en train de retirer de l'argent à un guichet, quelqu'un vous met un couteau sous la gorge, vous n'étiez pas préparé, hein, vous n'avez pas dit au mec, attends 2 secondes, je vais faire un petit peu d'échauffement, step touch avec Romain, talons, fesses, ouais, la vidéo, non, hein, donc ça monte tout de suite, d'accord. Donc d'où aussi, voilà, l'intérêt de faire une activité physique, parce que quand vous allez vous trouver dans une situation de stress, ben, votre cœur, il est habitué à ça, hein, votre organisme aussi, d'accord. Est-ce que tout est bon dans le cochon pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a compris un petit peu ce dont je viens de causer? Oui, non, pouce en l'air ou pas? S'il y a des questions, en commentaire. Comment améliorer son cardio? Je répète, donc tout ce que je viens de dire là, je ne pense pas avoir dit de conneries. Là, peut-être que certaines personnes seront plus calées que moi et pourront vous donner des conseils plus pertinents que les miens, surtout si vous êtes très avancé, voire pratiquant de sport, de compétition. Ok? Alors, il faut déjà, quand on veut améliorer sa fréquence cardiaque, il faut déjà définir un objectif. D'accord ? Ça va être par rapport à votre pratique. Si vous êtes, par exemple, praticien, praticienne d'une activité très intense, mais courte, d'accord ? L'objectif ne sera pas le même que si vous faites des courses très longues, marathon, trail, VTT cross-country, les nages très longues, etc., etc. D'accord ? Rameur, aviron ou des choses comme ça. De longue distance. Donc, quand on veut travailler donc plutôt sur les longues distances, on appelle ça travailler en volume. D'accord ? Votre voiture ou votre moto, elle a une cylindrée. C'est-à-dire, c'est... tiens, il y a la moto de mon papa là-bas. C'est une 1100. Non, c'est une 1000. 1000. 1000 GSX-R. 1000. Ça veut dire que elle a 1000 cm cubes. Le moteur fait 1000 cm cubes. D'accord ? Moi, j'ai un 600. 600 R6. Donc, elle fait 600 cm cubes. C'est le volume. D'accord ? C'est le volume. Il y a des voitures qui sont 2 litres. En fait, c'est comme là, c'est 2000. 2 litres, c'est 2000. Il y a des voitures avec des plus gros moteurs. Ok ? Donc, quand vous travaillez en volume, c'est comme si vous vouliez
augmenter finalement la cylindrée, votre cylindrée. Ok? Donc, ben ça se fait par exemple par du footing ou autre à faible allure, c'est-à-dire 60-70% de la fréquence max. On appelle ça la zone d'endurance. Pour avoir un repère, d'endurance fondamentale, pardon, pour avoir un repère, c'est comment? Vous pouvez parler. Vous courez avec quelqu'un et vous êtes capable de parler. Ok? Il y a une zone un petit peu au-dessus. Alors, en fait, cette zone-là, quand vous partez sur une longue distance, c'est souvent les 3, 4, 5 premières minutes. On appelle souvent ça le second souffle. D'accord? Parce qu'on y est tout de suite. C'est-à-dire là, au début, on ne peut pas trop parler. On est dans la zone active, entre 60 et 80% du max. La zone d'endurance fondamentale, elle est à 60-70% de la fréquence cardiaque max. Et la zone active, elle est à 70-80% du max. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on s'entraîne dans cette zone? Eh bien, on fait des sorties, on va dire, comment? Moyennes. D'accord? Avec, attendez. Voilà, ouais. Ça peut être des sorties moyennes avec un peu de dénivelé. Comme, donc, inférieur à une heure et faire, par exemple, du trail. D'accord? Ou ça peut être des sorties longues. Alors attention, pas un dénivelé de ouf, un petit dénivelé. Ou alors des sorties très longues de plus d'une heure, plutôt sur un terrain, on va dire, assez plat. Ok? Pour les personnes qui font des pratiques sportives, on va dire, courtes, mais qui envoient très fort, et bien là, il faut qu'on développe la puissance. Donc, je vous ai parlé de moto tout à l'heure. Là, ça va être augmenter les chevaux de votre moto. On a augmenté la cylindrée, mais on peut augmenter aussi les chevaux. D'accord? 100 chevaux, 200 chevaux, 300 chevaux. Et là, eh bien, alors, il y a certains athlètes très entraînés qui peuvent être dans la première, parce qu'il y a pareil de deux fourchettes, entre 80% et 90% de la fréquence cardiaque max, c'est-à-dire le seuil anaérobie. Il y a certains athlètes très entraînés qui arrivent à maintenir cette fréquence-là pendant un 10 km. Alors, c'est énorme, hein, parce que moi, les meilleurs que j'ai vus au 10 km, notamment à Saint-Dizier, c'est 27 minutes, je crois. D'accord? Donc là, ils maintiennent un rythme incroyable. C'est un entraînement, ils sont monstrueux. D'accord? Et il y a aussi, bah, du coup, courir le plus vite possible sur une très courte distance. En règle générale, on tient pas plus de 3 minutes. Et là, on est à 90, 100% de sa fréquence cardiaque maximale. Donc, on est dans la vitesse maximale aérobique, la VMA, voilà, tout simplement. Donc, exemple d'entraînement pour développer ça, ben, ça va être le fractionné. On connaît le 30-30, le 60, 1 minute, 1 minute, d'accord. Il y a plein de variantes, hein, il y a du 30-15, du 15-30, du 40-30, ben, voilà, il y a plein de variantes. Ou alors, ça va être, pourquoi pas, un entraînement en côte. Grimper une côte, redescend, grimper une côte, redescend, d'accord. Ou bah pourquoi pas même du plat, hein, à toc sur 200 mètres, et puis récupérer. Voilà, est-ce que j'ai été clair pour tout le monde? Donc on va dire que pour les personnes qui veulent bah, courir, par exemple, très vite, on va dire du 100 mètres, du 100 mètres jusqu'au 3000 mètres, 5000 mètres, voilà, donc là, ces personnes-là, ne pas hésiter à mettre du travail de volume parce que ça sera toujours bénéfique aussi, d'accord, d'augmenter sa cylindrée, mais plutôt travailler donc ce qui va être en puissance, d'accord. Et pour les personnes qui travaillent plutôt sur du plus que 10 km, bah, travailler plutôt tout ce qui va être du coup bah, le volume, les sorties longues, mais ça peut aussi être bénéfique de savoir monter dans les tours et récupérer, donc de temps en temps aussi faire du travail de vitesse, du travail de puissance. Voilà, donc j'attaque la conclusion. J'ai pas trop vu de questions jusque-là. Il y en aura peut-être en replay, ça serait cool. L'intervention de personnes qui sont un peu plus calées que moi. Je suis resté assez basique, hein, d'accord. On est resté assez basique. Pour ce qui va être donc de calculer cette fréquence cardiaque, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a ben, tout ce qui va être ben, les choses qui calculent au niveau du poignet, au niveau du torse, au niveau de la ceinture, ce qui est un peu plus facile à porter pour le sport. Conclusion. Il est important de bien définir son objectif. Son objectif, soit par rapport aux exigences du sport que l'on pratique, soit par rapport à ses points faibles. D'accord ? Si vous avez un entraîneur qui vous dit, bah, toi, ton point faible, c'est ta puissance,
ben voilà, va falloir mettre le paquet là-dessus et inversement. D'accord ? Pour développer son cardio, il n'est pas nécessaire de se concentrer que sur la course à pied. D'accord ? On peut faire de la corde à sauter, du rameur, du vélo, vélo d'appartement, vélo elliptique. On peut faire du ski de fond, on peut faire plein de choses comme ça. D'accord ? Donc, qui permettent aussi d'amener une variété à son entraînement. De la natation, j'ai oublié de le dire. Bon, là, en ce moment, c'est un peu le bordel, mais de la natation. D'accord ? Tout ce que je viens de vous dire, ça peut être adaptable, bien sûr, à la natation. D'accord ? Vous partez sur une longueur à fond, vous sortez la tête de l'eau, vous regardez l'horloge, 30 secondes de récup, vous repartez sur une longueur à fond, etc. Tout est faisable en fractionné, également même en longue distance. D'accord ? Permet de faire tous ces entraînements permettent de faire ce type d'entraînement. Avant d'entreprendre une remise en forme ou de reprendre l'entraînement après une longue période d'inactivité, il vaut mieux consulter son médecin, passer un test d'effort. Le cœur aura besoin d'une période pour se réadapter à l'effort. Voilà, on est arrivé à terme. Donc, je vais regarder un petit peu les commentaires en live. Donc, on a Pauline qui me dit comment qu'elle prend sa fréquence cardiaque en footing et en circuit training. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Hello, hello. Ok, oui, c'est vraiment énorme. Donc, je ne me rappelle plus de quoi tu parlais, ma Gisèle. Donc, on a, oui, bien sûr, sur la trampoline, donc tout ce qui va être également les activités fitness que vous faites aussi avec moi. Le high-low, alors le high-low, par exemple, ça va s'apparenter plus à un travail de cylindrée, un travail de fond, un travail d'endurance, d'accord ? En high-low, on va être du coup sur des 60-70% de la fréquence cardiaque max, d'accord ? Puisqu'on est quand même capable de parler pendant qu'on fait ça, ok ? Quand on fait le skip and punch, par exemple, corde à sauter, c'est assez difficile de parler en même temps. Ou le circuit cardio, c'est assez difficile de continuer à parler en même temps. Comme je vous disais aussi, par exemple, en musculation, quand vous faites avec moi la session coach-to-coach, quand je fais mes séances de jambes, je vous le dis, quand je sors d'un squat, je vous dis là, je vais avoir du mal à vous parler, parce que je suis à 80-90% de mon max au niveau des pulses, d'accord ? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mecs qui veulent pas faire les jambes, parce que ça leur fait peur, ça les met trop dans le rouge, quoi. Donc, très bénéfique la natation, et c'est très complet. Évidemment, ça travaille aussi le haut du corps, le rameur aussi, qui permet d'engager le haut du corps, et autre point, notamment les personnes qui ont des petits pépins de santé, des épines calcanéennes au niveau des pieds, des problèmes de tendons d'Achille, des douleurs récurrentes dans les genoux, les hanches, le dos, et ne pas toujours faire que de la course à pied qui est quand même très traumatisant, mais de mettre en place du vélo elliptique moins traumatisant, même du roller, de la natation, du rameur, du vélo. Voilà, là, il y a toutes ces possibilités-là qui peuvent être plutôt fun et cool à mettre en place, d'accord ? Gisèle, elle me parle du trampoline, donc oui, c'est génial, il y a des cours de trampoline qui sont aussi géniales, d'accord ? Donc ça, c'est top, c'est top. Donc voilà, visiblement, il n'y a plus trop de retour, j'espère que ça vous a plu. On sera ensemble en live dans quelques minutes pour la session abdos obliques dans le Radix Club Premium. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de votre cœur, n'oubliez pas, si vous regardez depuis YouTube, d'aller cliquer dans les commentaires pour tester le challenge de 7 jours. Ce challenge de 7 jours, il va prendre aussi au soin de votre cœur. D'accord ? Puisqu'on va parler de toutes ces choses dans le challenge. Réduire le sucre, réduire le sel, réduire l'alcool, etc. Toutes les choses y sont presque. D'accord ? Et après, il faudrait presque que je vous mette en dernière recommandation d'aller vous former à la Croix-Rouge. D'accord ? Donc, on y pense et peut-être qu'on pourra aller faire ça, pourquoi pas, une fois ensemble. J'espère que Pauline, ça a aussi éclairé un petit peu tes questions parce que je sais que toi, tu es très intéressé par rapport à ça. Petit point supplémentaire pour justement, par rapport à Pauline, on n'est pas tous égaux, d'accord ? Au niveau de nos capacités à monter ou non au niveau de la fréquence cardiaque. Donc, connaître sa fréquence cardiaque de repos, sa fréquence cardiaque max, ça peut aussi répondre à des questions. On se dit, mince, moi, je ne monte pas très haut dans les tours ou je monte très, très vite dans les tours. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est pas normal ? Est-ce que c'est normal que moi, si je calcule par rapport à la méthode que je vous ai dit, 226 moins l'âge ou 220 moins l'âge pour les hommes tout à l'heure, des fois, quand je mets mon cardio-fréquence-mètre, je suis au-dessus. Est-ce que c'est normal ou pas ? Est-ce que je risque de mourir ou pas ? Ça peut être quelque chose d'intéressant à voir aussi. Voilà. Donc, passez un test de fréquence cardiaque, surtout si vous vous entraînez régulièrement, une fois tous les ans, une fois tous les deux ans. Ça peut être aussi intéressant.
Voilà, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche des notifications sur YouTube, rejoignez le Radix Club privé. Et voilà, donc, si vous regardez cette vidéo au-delà du mois de juillet, bah, vous ne comprendrez pas trop ce que je vous dis. Mais sinon, en ce moment, dans le Radix Club privé, j'ai mis en place un petit challenge motivant, le challenge Summer Body, qui consiste tous les jours à faire le nombre de répétitions correspondant à la semaine en cours. On est semaine 16 en ce moment, donc on a mis 16 pompes, semaine prochaine 17, etc. etc. Donc si vous voulez y participer et avoir la possibilité de remporter des super lots comme un accompagnement personnalisé de 3 mois, Radix 90 plus lot numéro 1 d'une valeur de plus de 500 €, et bien il faut être dans le club premium parce que ça se passe dans le club premium. Lot numéro 2, c'est un programme Radix Discount d'une valeur de plus de 230 €. Toujours être dans le club privé parce que c'est là que ça se passe. Lot numéro 3, ça sera 3 mois dans le club premium, le groupe dans lequel je donne les cours comme je vais aller faire dans quelques minutes, valeur 75 € environ. Et enfin, le e-book de recettes de cuisine de votre coach préféré. Voilà. Je vous envoie de l'amour, du kiss, du like, du bonheur. Et je vous dis à très vite. Ciao !